6h, voici un des premiers derniers camions de livraison qui apporte chaises, tables et autres housses de couette estampillées de la marque suédoise. À 13 jours de l'ouverture, il reste encore pas mal à faire, mais la direction l'assure, tout sera prêt. Tout va être prêt, je dirais à 99%. C'est sûr qu'il y a toujours des petites finitions, un dernier, des fois c'est de la communication ou dans les bureaux. Mais pour les clients, je crois que vous allez être vraiment épatés. On va être prêt pour le 22. Ça fait maintenant 9 mois pour moi que je suis vraiment sur ce projet. Presque 5 mois maintenant qu'on est à l'intérieur du magasin, à construire justement ce beau magasin. Et maintenant, on est vraiment pressé d'accueillir nos premiers visiteurs et nos premiers clients, bien sûr. Pour les premiers futurs clients, voilà à peu de choses près à quoi va ressembler l'intérieur du magasin. Mais IKEA, c'est avant tout le roi des prix cassés, notamment grâce à des productions en grande série. Dans ce 255e magasin à l'échelon mondial et 24e en France, environ 9000 références seront proposées et 1,2 million de visiteurs attendus sur les 12 premiers mois. Des visiteurs qui pourraient souffrir des problèmes de circulation. On a travaillé en amont pour que tout se passe bien. Nous aurons par exemple le parking de la fête foraine, qui sera disponible et qui sera géré par des agents IKEA. Mais en tout cas, tout a été mis en place, j'espère. En tout cas, nous avons travaillé pour que ça se passe bien. Pour le jour de son ouverture, IKEA prévoit environ 20 000 curieux, un chiffre colossal. Autre chiffre non moins faramineux, c'est celui des ventes, estimé pour la première année à 52 millions d'euros.